Tiens, mais qu'est-ce que c'est un film de campus, en fait? Non, ce serait trop simple. Et si je menais l'enquête? Dis-moi, est-ce que tu sais ce que c'est un film de campus? Pour moi, un film de campus, c'est l'histoire d'amour entre une fille complètement banale, fatiguée par les pop girls qui tombent éperdument amoureuses du joueur de football américain. Et à la fin, tout se termine bien et ils vont ensemble au bal du lycée. Ok, c'est ce à quoi je pensais, mais il y a peut-être d'autres avis. Pour moi, un film de campus, ce serait un film fait par des étudiants. Souvent avec les moyens du bord, donc un petit peu à la système D. Que ce soit la culture. Dans le cadre d'un projet universitaire. Un film sur la fac. Avec un cadre, justement, un cadre étudiant. Entre potes, généralement. Pour la promotion de l'UAPB. Bah, c'est beaucoup d'enthousiasme parce que c'est l'un des premiers tournages. Par exemple, la promotion du gala 2014. Et puis la campagne Choisir l'Union. Alors pour moi, un film de campus, c'est un film qui concerne des étudiants. Un film qui parle d'étudiants. Qui concernerait les étudiants principalement. Qui va représenter la vie étudiante. Des étudiants. Dans l'université ou l'école. Puis voilà des thèmes et des problèmes qu'il peut y avoir dans les campus. Des problématiques sur les étudiants. Des expériences assez folles. Qui pourraient réunir tous les étudiants dans une soirée, dans un moment convivial. Du partage. Où tout le monde pourrait un peu se draguer, etc. Enfin, une ambiance chaleureuse. Quoi. De l'amour. Comme le cercle des poètes disparu. Le cercle des poètes disparu. Je pense par exemple. Type grise. High School Musical. Et comme exemple, j'ai le film La Crème de la Crème. La Crème de la Crème. C'est en France, là. Pour moi, ça fait plutôt aux étudiants en Amérique. American Pie. Plutôt type américain, quand même. Parce que c'est un film qui a marqué ma génération, en tout cas, et je pense que ça a marqué la génération de plus tous les étudiants qu'on a aujourd'hui. Autour de ce qu'ils apprennent en cours. On a grandi un peu avec ces films-là. Ça va attirer personne d'autre. Je rajouterais aussi le fait que c'est pas forcément un film, ça peut aussi être une série ou encore de l'animation, je pense notamment à Toy Story. Solo. C'est ça, un film de campus. Ok, on a soit les films enregistrés par les étudiants et réalisés par eux-mêmes, ou des films sur les étudiants, style American Pie ou La Crème de la Crème. Bon, ça m'avance pas trop. Et si on demandait l'avis aux sociologues ?